Bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à cette table ronde qui concerne l'action sociale. Quelle action sociale pour les médecins à l'hôpital, organisée par les CGOS que je préside. Alors, je vais de suite vous présenter les différents intervenants à cette table ronde, à commencer par Madame Danielle Toupillet, à ma droite, directrice du Centre national du CNG, qui gère aussi les directeurs et les médecins. À ma gauche, Monsieur Thierry Godot, qui est président de la Conférence nationale des présidents de CME de CH, et accessoirement président de la CME de CH de La Rochelle. Monsieur Christian Muller, président de la Conférence nationale des présidents de CME de Centre hospitalier spécialisé en psychiatrie, et qui, lui, préside la CME de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise. Madame Drexler, directrice du pôle des affaires médicales, recherche, innovation et qualité aux hospices civils de Strasbourg. J'ai oublié quelque chose, mais ce n'est pas bien grave. Donc, à ma droite, pour revenir, M. Boukebouz, qui est président de l'intersyndicale nationale des internes, et M. Julien Langlais, président de l'intersyndicale des chefs de clinique et assistants. Voilà. Alors, nous avons une heure. On va passer directement. Je vais vous présenter les résultats d'un questionnaire, un sondage qui a été envoyé aux médecins. Il y a eu plus de 1500 réponses. Alors, si vous voulez bien, donc rapidement, les médecins donc sont assez jeunes, 56% moins de 45 ans, donc une population relativement jeune. 85% sont en couple, donc c'est important pour l'action sociale. 73% ont en moyenne deux enfants à charge. 60% sont des femmes, donc leur milieu professionnel, 71% d'entre eux travaillent, vous voyez les chiffres, dans un centre hospitalier général, ensuite 16% dans les CHU. Ce qui est intéressant, c'est 69% sont praticiens hospitaliers à temps plein, donc près de 7 médecins sur 10 qui ont répondu à l'enquête, et 44%, donc près de 1 sur 2, exercent en médecine et 13% en psychiatrie, vous voyez. Alors, quelles sont leurs attentes et leurs besoins? Quelques chiffres. Donc, 85% connaissent le CGOS par le biais soit du bouche à oreille, soit des campagnes d'affichage qui peuvent être réalisées dans les établissements divers. Ils consacrent donc principalement leur temps libre à leur famille et à leurs loisirs. Donc, ça, c'est important pour voir quelle typologie, quelles sont leurs attentes. Donc, vous le voyez là, principalement secteur loisirs, culture, sport et vacances. Ça, c'est important. Ils considèrent donc à 76% que l'accès aux prestations du CGOS a un impact certain sur l'attractivité et la fidélisation des médecins à l'hôpital. C'est un point sur lequel on pourra rebondir tout à l'heure. Et souhaiteraient donc, à plus de 1 sur 2, souhaiteraient bénéficier d'actions spécifiques. Alors après, je vous laisse lire très rapidement quelques commentaires. Donc des attentes, ils ne comprennent pas très bien en quelque sorte pourquoi ils ne bénéficient pas de cette action, pourquoi ils en seraient exclus, et ensuite comment ils pourraient y participer et sous quelle forme, puisque vous le savez très rapidement, le CGOS c'est un organisme paritaire géré avec les organisations syndicales représentatives du personnel. Alors, on va laisser peut-être ces quelques commentaires affichés. Et puis, je vais donner de suite la parole pour entrer à la vif du sujet à M. Thierry Godot, donc président de la Conférence nationale des praticiens de centres hospitaliers. Oui, merci.
Ces résultats, moi, à mon niveau, sont pas du tout surprenants. La sociologie du corps médical a beaucoup évolué ces derniers temps et on voit que l'attractivité est un motif important qu'il nous faut développer dans les établissements. On voit très bien qu'on vient à l'hôpital pour différentes raisons, le travail en équipe, le plateau technique, mais il y a des différences de rémunération aussi importantes qu'on ne pourra pas gommer avec le privé. Donc il faut essayer aussi d'avoir un plan de recrutement. Et les médecins sont maintenant sensibles à leurs conditions de travail, au temps qu'ils consacrent certes à l'hôpital, mais d'une manière différente que nos aînés. Nos aînés ont probablement trop accepté de faire des choses à l'hôpital et nos jeunes, et je pense à juste titre, veulent organiser leur vie avec le travail, mais aussi en dehors du travail. Donc il faut qu'on soit attractif et il y a beaucoup de revendications et de souhaits des jeunes praticiens d'avoir des éléments positifs d'attractivité sur l'hôpital et ce n'est pas que de la rémunération, c'est aussi les conditions de travail et aussi des prestations, on le voit bien, des prestations sociales. On voit bien quand on recrute des jeunes praticiens actuellement, souvent ils nous demandent et la crèche, comment ça va s'organiser, comment je peux trouver un logement dans certaines villes où l'accès au logement est parfois difficile. Et ça, c'est une attente forte aussi de nos jeunes praticiens et qu'il va falloir absolument répondre. On voit que dans nos établissements aussi, dont le mien, on développe un projet social médical. Ce n'était pas le cas avant et c'est devenu un élément important. La pénibilité du médecin, du travail du médecin à l'hôpital est devenue une réalité qu'on a trop souvent négligée et qu'il faut maintenant aussi prendre en considération. Et il y a une véritable attente. Donc ça, c'est un sujet important. Et puis, à l'hôpital, on travaille en équipe. On parle toujours d'équipe soignante et médicale. Le médecin, il est rien sans son équipe dans son service, sans les gens qui travaillent autour de lui. Tout le monde est important à l'hôpital. Et c'est vrai qu'il y a, c'est pas obligatoirement très bien vécu par le corps médical, en effet, qu'il y ait certaines prestations pour une partie du personnel hospitalier et pas pour le médecin, qui fait que le médecin serait quelque chose d'un peu à part. Alors certes, il n'a pas tout à fait le même statut, mais je trouve que ça aussi est un élément positif par rapport à l'intégration, au vécu des équipes qui travaillent vraiment en communauté. Donc là, moi, je pense que l'attractivité médicale, c'est une somme de mesures. Hein. Ce n'est pas le fait d'adhérer au CGOS qui va tout régler, mais c'est le fait aussi de bénéficier de prestations du CGOS, comme d'autres, qui rendront aussi le métier attractif. En tout cas, au moment où on se pose des questions sur où doit-on travailler, je pense que ça peut aussi rentrer en ligne de compte et que ça, c'est un élément important. Alors après, moi, je maîtrise moins le problème de l'organisation législative, le problème des cotisations. Il est clair qu'on nous dira encore probablement qu'il n'y a pas d'argent pour ça, mais il faut rappeler quand même que quand les postes médicaux sont vacants dans les établissements, on perd beaucoup, beaucoup d'argent. Et il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. La démographie médicale, elle est difficile actuellement. Hein, il y a 20 ans, sur un poste hospitalier, il y avait 10 médecins. Aujourd'hui, il y a un médecin, il a le choix entre plusieurs postes. Il a le choix entre le public, entre le privé, etc. etc. Donc là, je pense qu'il faut aussi faire un plan d'action à ce niveau-là. On pourra difficilement, je pense, augmenter les rémunérations salariales de manière significative dans le contexte actuel. Mais c'est ces petites mesures, je pense, qu'il faut prendre en considération. Alors, je ne sais pas quel est le mécanisme des assiettes de cotisation, mais il est clair que il faudra qu'il y ait aussi un retour sur les cotisations médicales. Il faut que les cotisations liées à la masse salariale médicale aient aussi un retour sur le médical. Il faut qu'ils s'y retrouvent. Après, peut-être qu'il ne faut pas avoir obligatoirement tout le champ des prestations, certainement. Hein. Il est évident que les niveaux de rémunération sont différents. Mais ce n'est pas non plus parce que les niveaux de rémunération sont différents. Un jeune médecin, quand il débute dans la carrière, par rapport au salaire des médecins, il a une petite rémunération. Donc là, il faut aussi tenir compte de ça par rapport à tout l'échantillonnage qui s'offre à lui quand il doit choisir sa carrière. Donc moi, je suis favorable à ça. Et il faut bien prendre en considération voilà, que la sociologie du corps médical, comme la sociologie de tout le monde d'ailleurs, hein, a changé. Il faut en tenir compte. Et certes, peut-être qu'il peut y avoir des augmentations de cotisations, mais il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut sur la politique d'attractivité et de recrutement des médecins à l'hôpital.
parce que c'est dramatique quand il n'y a pas de médecin dans nos établissements et dans nos équipes. Merci, docteur. Vous avez posé déjà quelques questions essentielles. D'abord, la première, c'est la nécessité, effectivement, vous avez prononcé le mot de projet social. Et effectivement, alors ce n'est pas le CGOS qui fait le projet social, le CGOS va aider à faire ce projet social. Vous avez posé la question de l'attractivité. Effectivement, alors là, on est tous d'accord. 4 ans que le CGOS travaille effectivement avec la Fédération hospitalière de France. Je rappelle, c'est un des axes essentiels développés par le projet du conseil d'administration de la Fédération hospitalière de France. Et après, le problème des cotisations, on y reviendra peut-être. Peut-être M. Muller, sur ces 3 points ou sur d'autres points, peut-être compléter les propos de votre collègue. Écoutez, je vais... Ça marche ? Très bien. Écoutez, je ne vais peut-être pas vous répondre d'emblée sur la question des cotisations, mais je voudrais peut-être vous dire en premier lieu combien je suis heureux d'être là parmi vous, parce qu'il me semble qu'il s'agit d'une première. Je pense qu'il n'y a jamais eu de table ronde initiée par le CGOS sur la question, je dirais, de l'action sociale à destination des médecins. Donc, je tiens à dire et à remercier le président et le directeur du CGOS d'avoir eu cette initiative que je trouve absolument remarquable. Elle est remarquable et je vais faire un très rapide retour dans le temps. Pas très loin dans le temps, lorsque j'étais interne. Vous voudrez bien considérer que ce n'est pas si loin que ça. Et je me souviens que lorsqu'on rencontrait un chef de service, on posait la question de savoir quel samedi on était de garde pour le bloc, etc. J'ai commencé par faire de la chir. Aujourd'hui, une interne que j'ai reçue récemment me dit, ai-je droit au CGOS et pour la crèche, on fait comment ? Ça a complètement changé et je trouve que c'est tout à fait sain. C'est-à-dire qu'avoir aujourd'hui des préoccupations pour des aspects sociaux et qui renvoie à une chose qui a été évoquée ce matin par la ministre, qui sont quand même les aspects des valeurs de notre République incarnée à l'hôpital. L'hôpital, c'est l'endroit, et ce n'est pas une palissade, où travaillent des hospitaliers. Je pense que nous sommes tous des hospitaliers. Et à ce titre, les valeurs communes que nous défendons, mais nous faisons plus que les défendre, nous voulons les promouvoir, qui sont aussi de solidarité entre nous, et de ce que j'appellerais, vous savez, les psychiatres, ils sont très sensibles, à ce qu'on appelle l'esprit de corps. Eh bien, je crois que là, nous sommes dans un esprit de corps et qu'on ne comprendrait pas aujourd'hui, on ne comprendrait plus du tout aujourd'hui pourquoi les médecins ne feraient pas partie de l'ensemble du corps des hospitaliers et donc ne participeraient pas d'une manière ou d'une autre au CGOS qui est, me semble-t-il, la concrétisation de cette préoccupation de l'action sociale à destination des hospitaliers. Alors, effectivement, une première... Alors, ça a été évoqué, tu en as un petit peu parlé. Il y a bien sûr la question de la contribution, des cotisations. Je pense que nous ne sommes pas là devant une impasse parce que nous avons un état d'esprit, me semble-t-il, aujourd'hui, qui permet d'avancer sur le sujet. Il y a d'autres domaines où nous avons avancé sur des sujets, comme par exemple, et Mme Toupillé le sait bien, sur les aspects de formation continue, par exemple, où là, les médecins contribuent avec d'autres, un peu comme à la NFH. À la NFH, il y a des contributions, et je pense que peut-être ce modèle-là, encore une fois, je ne suis pas non plus un spécialiste de ces sujets, mais je pense que c'est un modèle qui pourrait peut-être servir pour que l'ensemble, également aussi, des médecins y soient représentés. Alors, c'est tout de suite la question, évidemment, des syndicats. C'est-à-dire, quelle représentation? Quel syndicat, représentant quoi? Voilà toutes les questions, bien sûr, qui se posent, mais il faut se les poser, et je pense que des réponses existent désormais, aujourd'hui, devant ce qui m'apparaît être, encore une fois, comme une nécessité dans le cadre de valeurs communes que nous avons à défendre. Voilà, si vous voulez, de manière introductive, ce que je voulais vous dire. Merci, M. Muller. Vous avez parlé des représentants syndicaux, donc on va leur donner la parole pour voir effectivement leur ressenti sur ce sujet. M. Langlais, vous pouvez commencer. Merci de,
C'est parfait. Merci de nous donner la parole sur un sujet qui est assez neuf pour nous, puisque nous ne connaissions ni Baptiste ni moi le CGOS. Toutes choses égales par ailleurs, on est aussi assez peu représentatif puisque nous sommes deux hommes et que 70% de nos promotions qui sont en train d'être diplômées actuellement sont des femmes, et que ça a changé énormément la donne. La première demande qui est faite par nos consoeurs, c'est de pouvoir gérer de façon harmonieuse la maternité. Le plan attractivité qui a été décidé par la ministre de la Santé a un certain nombre d'aspects positifs, mais je pense que le point positif, c'est la continuité des droits sociaux, quels que soient les statuts, à l'entrée dans la carrière de l'hôpital. Et ça, c'était clairement un facteur qui faisait que le taux de fuite vers le privé était relativement important, y compris pour les statuts contractuels en début de carrière. Donc ça, je pense que c'est le gros point positif pour nous. Il faut pouvoir amorcer et continuer cette dynamique envers nos jeunes collègues gueux, et je pense que ce sont les cibles prioritaires, et c'est ce qu'elles demandent. Actuellement, trouver, quand on est PM, et trouver une place en crèche dans un certain nombre de CHU ou de CH, c'est la croix et la bannière. C'est la croix et la bannière. Il est régulier que le personnel médical soit exclu, littéralement, de la possibilité d'obtenir des places en crèche. Et il est évident que dans un système concurrentiel, puisque le système de recrutement des médecins dans un contexte de pénurie est concurrentiel, dans ce système-là, les structures privées l'ont bien compris, la place en crèche, elle vient avec le contrat. Et donc, si on veut créer un continuum social pertinent, avec un statut qui garantit des droits, et pas le congé mater aux IJ, hein, parce que c'était ça avant, et puis la possibilité de vivre sa vie familiale et personnelle harmonieusement, il faut aller jusqu'au bout de la logique et allier de l'action sociale au statutaire. Donc pour nous, ça nous paraît important sur ce cadre-là. Le deuxième élément qui est à mon avis fondamental, c'est celui de la réduction des risques psychosociaux, où là, on a vraiment besoin, dans un système où la médecine du travail est assez défaillante puisque nombreuses, ou en tous les cas pas assez nombreuses à l'intérieur de l'hôpital public, on a la possibilité d'avoir des relais, et en particulier des relais en consultation de ville, puisque les confrères qui sont en souffrance vont volontiers, en dehors du système hospitalier, consulter, et on a besoin de ces relais-là. Peut-être que l'action sociale pourrait se périmétrer pour les médecins autour de ces deux axes qui me paraissent répondre à un besoin clair et objectif. Boudoubous, c'est le footballeur, oui, excusez-moi. Alors, vous voulez compléter. C'est à la fois très rassurant et à la fois très angoissant pour moi, mais Julien a complètement plagié mon propos. Rassurant parce que justement, il a insisté sur la notion de continuum. L'attractivité, effectivement, c'est le leitmotiv du moment, mais on a des indicateurs, nous, internes, très franc, montrant que le défaut d'attractivité s'opère déjà au moment de l'internat. On le voit déjà en comparant le taux de progression entre l'installation en milieu public et le milieu libéral, où le libéral peut aller jusqu'à plus 88% en 10 ans, tandis que le milieu public reste plus ou moins stable à 10% dans les aspirations des jeunes professionnels. On le voit également sur des questions du type « Est-ce que tu envisages plus tard faire le même métier ?» où là, on observe déjà dès l'internat jusqu'à 10% de réponses clairement non. Je veux faire fleuriste, je veux faire ébéniste ou autre chose. Donc, on voit très bien qu'il y a une souffrance qui s'opère déjà dès l'internat. Et le dernier point qui est le plus inquiétant, mais en même temps tellement vrai, c'est quand on fait une comparaison public-privé, on voit très clairement que l'hôpital public, de manière globale, flash très négativement au niveau de sa lourdeur administrative, conditions de vie et conditions sociales. Donc ce constat est réel et s'opère déjà dès l'internat. Et donc l'attractivité doit s'interpréter en termes de compétitivité par rapport à autre chose, en l'occurrence autre chose, le secteur libéral, mais pourquoi pas également le secteur plus global ambulatoire. Le deuxième mot que je vais recopier, mais c'est exactement ça, c'est le mot « continuum ». Donc du coup, on ne peut pas interpréter l'attractivité à un instant T, mais comme un continuum. Et là également, c'est extrêmement important.
Je vais reprendre quelques chiffres du diaporama où, me semble-t-il, il y avait 70% de couples, 85% de couples et 70% de couples avec enfants. Eh bien, au final, les internes, les enfants, on commence à les faire dès l'internat et on a jusqu'à 20, 25, voire 30% d'internes avec des enfants. Les couples, on n'en parle pas. Les conditions psychosociales également sont au cœur du sujet. Vous avez peut-être vu également l'aspect très médiatique actuellement de ce sujet-là, notamment avec le repos de sécurité, les suicides divers et variés et également le burn-out. Donc toutes les problématiques qu'on retrouve, on va dire, au niveau de nos aînés sont les mêmes au niveau chez les internes. D'où l'idée, effectivement, d'insister sur toutes les mesures que pourra proposer la CGOS et les collaborateurs concernant l'attractivité doivent être appliquées dès l'internat et j'irais même jusqu'à dire avant l'internat si on veut fidéliser, parce que si on parle de fidélisation, un plus grand nombre de candidats potentiels. Pour reprendre plus particulièrement, j'insisterai très lourdement, parce que c'est encore une fois un sujet qui est extrêmement sensible, sur l'accessibilité à la crèche. Parce que l'accessibilité à la crèche est un point capital que nous retrouvons aller au bas mot une fois par mois en local en termes de problématiques. On a des couples qui se retrouvent avec 300 € à la fin en déficit dès la deuxième quinzaine du mois parce qu'il faut payer nounou, parce qu'il faut payer du personnel en plus pour pouvoir garder l'enfant, parce qu'en milieu hospitalier, il n'existe pas et il ne faut pas se voiler la face d'une politique d'ouverture pour les internes au niveau de la crèche. Les risques psychosociaux, on n'en revient pas. Et le dernier chiffre sur lequel j'aimerais insister, c'est 85% connaissent la CGOS. Chez les internes, personnellement, sans m'avancer trop, je pourrais dire qu'il y a au moins de 5% des internes qui connaissent la CGOS. En ce qui concerne Paris, concernant plus particulièrement la GOSPAP, la connaissance de la GOSPAP, par exemple, est très largement peu répandue. D'où l'idée qu'il faut, à mon avis, avoir un axe de communication plus invasif. Plus invasif, c'est pas forcément négatif, mais plus en lien avec justement les structures syndicales, parce qu'il faut voir ce principe-là comme une synergie. On pourrait très bien établir une synergie entre le syndicat, qui est l'arme de communication et l'arme de diffusion, et justement la CGOS et les autres structures partenariales. Merci. Le président de la GOSPAP est dans la salle, il va peut-être pouvoir amener quelques précisions tout à l'heure. Donc on va continuer le tour de table avec Madame Drexler, je rappelle, directrice du pôle des affaires médicales, qualité, recherche, innovation aux hospices civils de Strasbourg. Merci. Les résultats de l'enquête ne sont au final pas très surprenants. Moi, ils appellent 4 commentaires principaux. Le premier, c'est qu'au final, l'action sociale dans les hôpitaux peut déjà exister en fonction des établissements. Plus près encore. L'action sociale peut exister au sein des établissements, notamment sur le volet d'accessibilité aux crèches. Moi, j'ai connu 2 établissements où l'accès aux crèches était ouvert aux personnels médicaux seniors, mais également aux internes. Après, ce n'est pas parce que c'est ouvert qu'il y a une garantie à avoir une place, mais en tout cas, l'accès est ouvert comme n'importe quel personnel hospitalier. De la même façon, sur tout ce qui concerne notamment les arbres de Noël pour les personnels des établissements, ces actions-là sont généralement ouvertes également aux personnels médicaux. En tout cas, moi, j'ai 2 exemples d'établissements qui l'ouvraient. Après, certes, je suis en CHU actuellement, mais j'étais aussi dans un centre hospitalier en début de carrière qui souffrait d'un déficit médical et d'un déficit donc d'attractivité de cette structure, où on allait effectivement au-delà, on allait aussi sur de la recherche de logement, sur de l'accompagnement pour trouver un emploi au conjoint. Donc l'action sociale peut exister et ne se limite pas au seul CGOS. Le deuxième commentaire, c'est naturellement la question du coût d'une adhésion, le cas échéant, au CGOS. Très concrètement, une cotisation qui serait équivalente à la cotisation pour le personnel non médical et qui serait par exemple à, je crois que c'est 1,5%, ça correspond à quoi ? Ça correspond à 2 fois le budget de développement professionnel continu quand on est en centre hospitalier pédiatrique,
Et ça correspond à 3 fois le budget des PC pour les professionnels médicaux dans un CHU. Donc on voit bien que la question de la cotisation et du budget consacré à l'action sociale doit être positionnée dans un contexte plus global et comparé aux autres budgets dévolus aux médecins. Du coup, se pose très concrètement la question du retour sur investissement, à la fois retour sur investissement global pour l'établissement. Si on cotise, quelle que soit la cotisation, je ne pense pas qu'on pourra se contenter d'avoir un retour de 65%, comme c'est souvent le cas pour le personnel non médical. Et puis se pose également la question du retour sur investissement, très concrètement, pour nos personnels médicaux. Actuellement, sur les prestations CGES, il y a un certain nombre de prestations qui sont quand même conditionnées au niveau de ressources. Le conditionnement actuel au niveau de ressources, je ne suis pas certaine qu'il permette à un couple d'internes d'avoir forcément les prestations liées aux gardes d'enfants, par exemple. Donc, se posent ces questions-là sur le conditionnement ressources. Puis, pour le reste, est-ce que l'accès à des prestations loisirs ou vacances sont essentielles au regard du budget qu'il nous faudra consacrer à cette question? C'est vraiment la question du retour sur investissement. Quelles prestations, selon quelles conditions pourront être déployées? La dernière question, c'est est-ce que cette action sociale, telle qu'elle sera construite, définie, périmétrée, répond vraiment aux enjeux de l'attractivité au regard du plan d'action qui est en cours de concertation? L'accès aux offres sociales, c'est un des éléments prévus dans un des engagements du plan d'action qui n'a pas encore été discuté, mais qui le sera sûrement cet automne. Il y a d'autres mesures dans ce plan qui ont peut-être un impact plus direct pour l'attractivité des professionnels. Et j'aimerais juste partager une dernière réflexion avec vous, c'est que j'ai présenté dernièrement en commission médicale d'établissement le plan d'action attractivité et l'ensemble des mesures qui étaient associées. Et la question des œuvres sociales, puisqu'elles apparaissent telles quelles dans le plan d'action, a suscité un certain nombre de questionnements des médecins. Les médecins intervenant en disant mais oui, très bien, mais nous, ce qui compte pour nous, c'est davantage la question du redimensionnement des équipes, qui est parfois compliqué dans le contexte budgétaire, que principalement les questions d'accès aux loisirs. C'est pas forcément ce qui est attendu par tous les médecins également. Donc, merci. Pour finir, je pense que cette adhésion au CGES, dans ce cas-là, il faudra qu'elle puisse se baser sur le volontariat au regard des politiques d'action sociale déjà menées par les établissements et également au regard des choix institutionnels privilégiés. Alors, je répondrai peut-être dans le cours du débat sur les actions du CGES. Je rappelle simplement que le CGES est un des organismes, quasiment le seul, je crois, agréé par les pouvoirs publics pour recevoir la cotisation de 1,50%, je reprécise 1,50% sur la masse salariale plafonnée à l'indice aujourd'hui 489, c'est le seul organisme national agréé. Alors après, les établissements n'ont pas obligation d'adhérer au CGES, ils peuvent parfaitement gérer, il y en a certains, hein. Bon, par exemple AP Paris, mais je crois qu'on y reviendra dans le cours du débat, ou d'autres établissements, comme certains gros établissements psychiatriques de la région parisienne, qui cotisent pour eux-mêmes sans adhérer au CGES, hein. Et que, par exemple, les hôpitaux ultramarins ont leurs propres comités aussi locaux. Un point sur l'attractivité, je crois que, on va donner la parole maintenant à Madame Toupillet, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Je me souviens de réunions sur le pacte de confiance, où effectivement ce thème était abordé parmi d'autres. Effectivement, ce n'est pas le seul, mais je crois que là, il y a des précisions à apporter, Madame Toupillet. Merci beaucoup, bonjour à tous, merci pour votre invitation. Effectivement, c'est une première. Je crois qu'on le relève, les plus anciens d'entre nous relèvent que c'est une première. Je pense que le débat, finalement, pourquoi le débat arrive en 2016 et pas avant? Parce que la question peut se poser, finalement, est-ce que les pratiques médicales d'avant ne nécessitaient pas le même enthousiasme sur
ou le même besoin exprimé par les jeunes générations, les moins jeunes générations des praticiens hospitaliers. Alors, je vais être un peu historienne parce que je crois que c'est important à ce stade pour montrer, au fond, l'évolution de la pensée des médecins, des praticiens hospitaliers plus généralement, qui est importante au fil du temps. Si on remonte un peu le cours de l'histoire, les praticiens hospitaliers ont toujours souhaité un statut unique, quelle que soit la spécialité d'exercice, même si on voit que des rémunérations sont nécessairement différenciées du fait de l'impact des gardes et astreintes qui constituent quand même un élément majeur dans la prise en charge de la rémunération des praticiens selon le statut, puisque ça peut aller, nous avons un chef de clinique à côté, 40% des revenus d'un chef de clinique, même plus pour certains, mais en moyenne 40% proviennent des systèmes des gardes et astreintes et la permanence des soins, tandis que pour les praticiens hospitaliers, on est autour de 22%, et pour les hôpitaux universitaires, autour de 7%. Donc, c'est montrer que dans un statut unique, finalement, on peut avoir richesse et diversité en fonction des obligations qui sont posées. Finalement, les forts de cette histoire, les praticiens hospitaliers, personnellement, je me permets de le dire, je crois à juste raison, ont toujours opté pour ce statut unifié qui est un peu le ciment commun. Vous disiez un petit peu la terre de solidarité, je crois qu'elle s'est exprimée comme ça au fil de l'histoire, et finalement n'ont pas exprimé le besoin d'avoir des droits et obligations qui soient strictement comparables aux autres salariés de la fonction publique hospitalière. Parce qu'il y avait quand même un rejet un peu historique de cette notion de fonctionnariat auquel on accroche de manière un peu péjorative le fait qu'on travaillerait moins que d'autres catégories, ce qui n'est pas tout à fait le cas, et on le sait bien les uns et les autres. Alors finalement, nous avons remonté un peu le temps, le courant, et puis en 2011, il m'a été confié donc le soin de guider un groupe de travail chargé de travailler avec un groupe de médecins, syndicalistes et médecins, praticiens hospitaliers, sur l'exercice médical à l'hôpital. Et il s'est fait, nous avons fait une grande enquête qui a touché toutes les populations médicales jusqu'aux internes, les chefs de clinique, les assistants, les hôpitaux universitaires, les praticiens, les contractuels, les titulaires. Tout le monde a été interviewé. Et vous avez raison de dire, finalement, il est apparu de manière incontestable, avec des ampleurs inédites, inégalées dans les quelques enquêtes qui avaient été menées précédemment. On était autour de 72, 73, 80, 90% de demandes qui ne touchaient pas la rémunération. Vous avez dit, finalement, ce n'était pas la rémunération qui apparaissait l'élément moteur, même s'il faut faire les choses raisonnablement et reconnaître l'effort et l'engagement, mais c'était l'avant-dernier item qui a été considéré. Les premiers ont été qualité de travail en équipe. Vous avez parlé de la solidarité de ce travail en équipe, ce management d'équipe, ce principe d'entente et de combinaison un petit peu de compétences dans des équipes autour des spécialités. La qualité du plateau technique et tout de suite est venu très très vite. Les conditions de travail, la protection sociale, vous le disiez, notamment pour les jeunes. Alors, et c'est arrivé de manière assez massive, entre 70 et 90% selon les sujets et objets qui ont été analysés, toutes catégories confondues et toute quantité de temps de travail confondue, que ce soit temps plein ou les temps partiels, et quelle que soit la spécialité. Donc, c'était quand même un courant assez fort qui a été initié, quel que soit l'âge, des plus anciens, donc on était autour de la fidélisation, et les plus jeunes, on était autour de l'attractivité. Donc ça a été quand même un mouvement extrêmement important et qui s'est révélé avec des attentes très fortement exprimées. Il faut savoir que si nous regardons le champ des praticiens hospitaliers gérés par le CNG, donc nous nous occupons des hôpitaux universitaires titulaires stagiaires, mais également les praticiens hospitaliers titulaires et en période probatoire. Je ne parle pas des autres populations, mais je vais y venir dans quelques instants. Ce qui représente 70%, ce que nous gérons, c'est la communauté médicale de 70%. Nous avons près de 53 000 praticiens hospitaliers qui sont regroupés. Donc 43 000, un peu plus de 42 700, 43 000 praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, 6 500 hôpitaux universitaires. Et il y a 30% de population finalement qui sont gérées localement, qui sont les internes, les assistants, les chefs de clinique, les attachés, les praticiens contractuels. Ceci représente 30%. Et nous nous sommes rendus compte finalement que les attentes était sous la thématique « Meilleure conciliation vie personnelle et professionnelle ». Et notamment, c'était la permanence de soins qui était évoquée, l'organisation des temps de travail, les rythmes, on le voit bien avec le débat sur les internes aujourd'hui, les problématiques d'amélioration de la protection sociale,
avec un champ de féminisation qui s'accroît, qui est considérablement accru, qui prend pratiquement 0,8 points à 1 point par an. Aujourd'hui, dans la population gérée par le CNG, sur les praticiens hospitaliers, nous sommes à 49,3% de femmes. Et nous sommes à 46,7% pour les temps partiels. Nous étions, il y a quelques années, à 35-36%. Toutes les tranches d'âge qui d'entrée dans le statut des praticiens hospitaliers est en majoration très très forte autour de la féminisation. Avec les éléments qui ont été très justement relevés par les représentants des chefs de clinique et des internes, un taux de féminisation, des congés de maternité, une nécessité de pouvoir assurer des droits à la protection pendant la maternité, qui soient des droits égaux aux autres personnels médicaux, mais également l'après, le droit d'accès aux crèches, le droit des prestations, le droit des séjours de vacances qui ont pu être exprimés également pour les enfants. Donc, quand même, un accompagnement au dispositif de famille qui allège d'autant quand même la charge que ces jeunes ont et les moins jeunes sur le champ hospitalier. Alors, vous avez raison de dire, par exemple, dans le DPC, on a vu monter en puissance la NFH, c'était un peu inattendu aussi, comme le CGOS aujourd'hui, le débat sur le CGOS, parce que avant, c'était la formation médicale, c'était les plans locaux ou des plans qui étaient aménagés de manière spécifique. Aujourd'hui, finalement, on a mutualisé un certain système autour de la NFH et on voit bien que finalement, des organismes tiers du type NFH, CGOS, servent de base support, en quelque sorte, à des prestations complémentaires, des prestations choisies, finalement. Tu as raison de rappeler que tout ceci se fait sous le volontariat. C'est un choix d'adhésion ou de ne pas adhérer, d'adhérer ici ou ailleurs, d'adhérer pour ton propre compte au titre de la propre charge assurée par l'établissement, au titre du propre assureur pour quelques autres prestations. Donc ça, c'est un droit qui a été particulièrement important. Alors, il s'est révélé également que l'ampleur de ce que nous avons écrit à l'époque dans ce rapport, le premier élément du projet social, qui m'avait toujours un peu surpris, c'est que finalement, il y a un projet social à l'hôpital et que la partie qui était inaccessible au projet social, c'était les praticiens hospitaliers. Et nous nous sommes dit finalement, mais est-ce que ce sont des salariés comme les autres? Est-ce qu'ils ont des droits? Ou est-ce que finalement, ce sont des libres entrepreneurs de la médecine autour de l'art médical, finalement, qui seraient déconnectés de la vraie vie alors qu'on leur impose le travail d'équipe qui est l'essence même du fonctionnement quotidien de l'hôpital? Donc nous sommes dit, il faut intégrer, quitte à avoir un volet spécifique, parce qu'il n'est peut-être pas de même nature, il peut s'articuler, il peut être, avoir des bases communes, mais pas nécessairement. Et nous avons considéré que tout ceci était des ingrédients majeurs pour l'attractivité et la fidélisation. Le rapport qui a été rendu en 2015 par... alors, nous avons fait le pacte de confiance à l'hôpital, dialogue social. Moi, je suis chargée volet sur dialogue social et ressources humaines. Tout ceci est apparu. Nous avons fait une enquête différenciée sur des motifs, des sujets et des objets un peu différents que nous avons croisés. Ils ont donné à peu près les mêmes ampleurs. Ils ont exprimé les mêmes attentes avec des populations que nous avons sélectionnées qui n'étaient pas les mêmes volontairement. Donc, tout ceci confirme le besoin qui est clairement exprimé par les jeunes générations ou les moins jeunes générations, d'ailleurs peut-être pas sur les mêmes natures de prestations, parce qu'ils n'ont peut-être pas besoin les uns et les autres des mêmes. Là, on voit bien que chez les jeunes, on a entendu beaucoup dans les tournées régionales que nous avons faites, les étudiants, les internes, les assistants, les chefs de clinique que nous avons entendus. C'est effectivement autour du loisir, tout ce qui était vacances, y compris accompagnement des familles dans le droit aux vacances. Pour d'autres, c'était des prestations de type complémentaire pendant les temps de maladie, surtout dans un moment où les ajustements statutaires n'avaient pas été faits comme ils ont été faits récemment pour certains. Donc, on voit bien qu'il y a peut-être des publics différents à l'intérieur des prestations qui pourraient être autorisées. C'est une forte demande qui a été confirmée d'ailleurs, je le précise, dans le rapport qu'a produit le sénateur honoraire M. Le Maine, qui a été un excellent rapport. Qui a confirmé la nécessité et l'ampleur de travailler à la fois sur les conditions de vie au travail, sur tout ce qui tourne autour du champ des contributions et des protections sociales, de manière à pouvoir donc engager les médecins et favoriser l'attractivité des jeunes médecins ou des moins jeunes, et puis de ceux que nous voulons garder à l'hôpital, et particulièrement dans les zones défavorisées médicalement. Donc voilà ce que je pouvais dire à ce stade. Alors moi, je ne me prononce pas, comprenez bien, je suis du côté de l'État,
donc que vous allez solliciter peut-être dans la démarche collective qui est la vôtre. Donc, ce n'est pas pour ou contre. Ce que je peux dire, c'est que tous les rapports des dernières années que nous avons pu mener attestent de la légitimité de cette attente qui est très fortement exprimée. Et les jeunes, comme ils l'ont exprimé encore aujourd'hui, voient dans le CGOS ou d'autres organismes qui pourraient être équivalents, très probablement le moyen peut-être de trouver une loi d'équilibre familial qui leur est nécessaire dans une exigence des temps et des contraintes de travail qui sont de plus en plus fortes. Voilà ce que je pouvais dire. Merci, Daniel. Je voulais rappeler, avant de vous donner la parole, que l'État, appelle le ministère de la Santé, a déjà pris position, puisqu'il a demandé depuis 2012 au CGOS de travailler sur les conditions d'intégration du personnel médical. Alors, le périmètre, est-ce qu'on part des étudiants jusqu'au chef de clinique, jusqu'au hospital universitaire ou pas, tout ça c'est en discussion. Mais alors on bute effectivement déjà sur un premier point de nature législative ou réglementaire dans lequel on se positionne. Madame Pillet y a fait allusion, c'est que effectivement la loi de 86 parle d'action sociale pour les fonctionnaires hospitaliers et leur famille. Et donc pour les agents hospitaliers, même si on y a rajouté les contractuels. Et donc aujourd'hui, il y a effectivement deux problèmes d'abord à régler, mais ça, il appartient à l'État, donc on travaille. Ensuite, vous avez bien vu, il y a le problème du périmètre, qu'on part des étudiants, jusqu'où on va. Ensuite, le problème des prestations. Alors là, le champ offert par le CGOS est assez vaste. On va des loisirs jusqu'à la protection des familles, jusqu'à l'accompagnement des familles dans les vacances, jusqu'à l'accompagnement. Le CGOS ne gère pas des crèches, mais donc des prestations sociales pour accompagner ses placements en collectif ou en individuel. Le CGOS gère aussi pour le compte de l'État le CESU, le chèque emploi service universel. Donc il y a les aides au logement, comme on l'a dit, tout un tas de prestations. Voilà. Ensuite, il y a effectivement là, le problème de la représentativité. Effectivement, parce que le CGOS est un organisme paritaire, géré paritairement à la fois par les représentants des directeurs nommés par la Fédération hospitalière et les partenaires sociaux, j'en vois certains dans la salle. Voilà, alors, toutes ces questions restent ouvertes. Peut-être avant de demander, puisqu'on a un exemple au monsieur le président de la GOSPA, peut-être nous dire un peu comment les médecins, sur quelle base sont associés à cette action sociale à la Paix Paris. Oui. Sur le cadre juridique et sous réserve de l'expertise, bien sûr, du ministère de la Santé, je crois qu'il faut distinguer deux populations chez les médecins. Les hospitalo-universitaires, voilà, qui sont fonctionnaires d'État, puisque le U l'emporte sur le H, et les praticiens hospitaliers et tous les autres statuts de praticiens jusqu'aux internes, qui, eux, sont des agents publics sous statut national d'emploi, sur des bases réglementaires. Il n'y a qu'une incise dans le Code de la santé publique, mais tout est construit au travers de décrets statutaires. Donc ça veut dire qu'il est assez probable que juridiquement, pour les praticiens qui ne sont pas hospitaliers universitaires, un décret en Conseil d'État devrait suffire pour emporter l'adhésion dans un organisme de type CGOS. Monsieur le Président, vous voulez... Oui, alors que vous dire en quelques mots, parce que c'est un sujet complexe. Moi, j'interviens d'abord ici en tant qu'opérateur, hein, puisque je suis président de la GOSPAP, donc je suis l'opérateur qui met, avec les équipes de la GOSPAP, en œuvre la politique sociale, et donc je ne peux pas intervenir ici, je vois qu'il y a des débats sur ce sujet, en tant que définisseur de la politique sociale vis-à-vis des différentes catégories, et notamment des médecins. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'évidemment, nous, on a une construction un peu particulière à Paris, puisque historiquement, il faut faire également un peu d'histoire à Paris, les hôpitaux de Paris et la ville de Paris sont mariés ensemble depuis un certain temps, et que depuis les années 80, donc, a été constituée cette association pour la gestion des œuvres sociales des administrations parisiennes, qui, sur une base paritaire, donc, gère les différentes prestations. Alors, quel type de prestations? Il y a 5 grandes catégories de prestations. Pour les 163 000 ouvrants droits que représentent les salariés des hôpitaux de Paris, les salariés de la ville de Paris et les salariés des établissements conventionnés hospitaliers qui nous font confiance,
Et il y a donc 5 grandes familles de prestations que vous avez citées, monsieur le Président. Ce sont les mêmes. Hein. Traditionnellement, le cœur de cible, ce sont les jeunes, donc les vacances des jeunes, des juniors, comme on dit chez nous. Ensuite, il y a bien sûr les vacances des familles. Il y a également l'arbre de Noël, là, c'est le spectacle traditionnel qui, chez nous, réunit sur l'esplanade de Vincennes 100 000 personnes chaque année entre le mois de décembre et le début janvier. Et il y a également deux autres catégories de prestations, l'accès aux loisirs, tout loisir confondu, le cinéma étant le numéro 1 au top 10 des prestations, mais on peut accéder également à l'opéra, on peut accéder également au théâtre et aux toutes formes de spectacles. Et enfin, dernière famille de prestations, pour les plus ceux qui en ont le plus besoin, des prestations plus sociales, qui s'adressent bien sûr à des gens qui ont des problèmes d'endettement, des problèmes de garde d'enfants, bien sûr, mais ça, c'est le lot commun, mais surtout des problèmes d'accompagnement social caractérisé. Et alors, pour gérer ces cinq familles de prestations, donc, il y a des représentants du personnel médical qui sont comptabilisés au titre des représentants du personnel des administrations parisiennes et des hôpitaux de Paris. Donc, il y a deux représentants de la CME qui sont au conseil d'administration de la GOSPA. Alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière par rapport à ce qu'ont dit les représentants des internes et des chefs de clinique pour préciser une chose. Il me semble que pas plus la GOSPA que le CGES n'ont vocation à définir à eux seuls la politique sociale vis-à-vis du corps médical. L'accès à la crèche en particulier, c'est d'abord la question que doit régler le directeur du CHU ou de l'hôpital. C'est à lui de déterminer s'il pense avoir des places pour un accès en crèche au personnel en question. Le CGES ou la GOSPAP, en tout cas je parle pour la GOSPAP, n'a rien à voir là-dedans. Nous intervenons au niveau du financement pour l'accompagnement du financement de cette prestation d'accès, une fois qu'elle a été décidée, mais donc dans un deuxième temps. Donc il ne faut pas confondre le jeu des acteurs. Il appartient d'abord au directeur de l'hôpital de déterminer s'il veut faire accéder les enfants de médecins dans sa crèche. Ce n'est pas le CGES ni, à mon avis, la GOSPAP qui vont le déterminer. Alors, en revanche, nous intervenons de longue date pour financer les prestations pour les cinq types de prestations que j'ai citées, aussi bien pour les administratifs, les soignants, les techniques que les médecins. Donc ça, c'est une politique constante à Paris. Ça n'est peut-être pas assez connu, vous l'avez dit, parce que tout à l'heure, j'ai noté que vous sembliez dire que ça n'était pas assez connu, que la communication pouvait être améliorée. Nous avons un site, hein, à l'heure de l'Internet, maintenant, tous les médecins peuvent aller, ils y vont sans doute plus que les autres, sur Internet pour se renseigner. Nous modernisons de plus en plus, nous sommes en pleine refonte de notre système d'information actuellement pour justement faciliter encore l'accès et notamment le paiement avec des étiquettes pour toutes les prestations du type loisirs. Et donc, la communication, normalement, devrait s'améliorer. Voilà, donc, en quelques mots, ce que je peux dire, un accès historique de longue date pour les médecins est pratiqué par les hôpitaux de Paris. Un mot sur la cotisation. Alors, la cotisation, voilà, évidemment, elle est différente. Elle est historiquement, elle était basée sur 0,5% de la masse salariale pour l'ensemble des deux administrations, Ville de Paris, Hôpitaux de Paris. La Ville de Paris a souhaité modifier un peu le financement de sa participation. En revanche, les Hôpitaux de Paris continuent à financer à hauteur de 0,5% de la masse salariale, c'est-à-dire de la masse salariale des médecins et de l'ensemble des autres paramédicaux. Des paramédicaux, des techniques et des administratifs. Donc 0,5%. Mutualisé, c'est mutualisé. Mutualisé. Il n'y a pas deux gestions séparées. Il n'y a pas deux gestions séparées. Il y a une gestion globalisée qui est un peu compliquée puisqu'elle s'applique également au personnel de la Ville de Paris. Voilà.
En quelques mots, évidemment, on pourrait creuser davantage. Hein, mais... Merci. Donc, il nous reste 10 minutes. Là, on a le temps de quelques questions. Oui, peut-être président de la NFH pour nous parler de représentativité, peut-être, et de comment. Oui, bonjour. Le témoignage, moi, je voulais donner en tant que président de la NFH, là, c'est qu'on a connu exactement un peu le même processus hein, avec la formation continue, la gestion du DPC au niveau de la NFH. Concernant la gestion et à l'intérieur de la NFH est séparée hein, d'une certaine manière. On a eu pas trop de problèmes au niveau de la gouvernance. Il est clair que les organisations syndicales, hein, dans le cadre du paritarisme, n'ont pas reconnu les syndicats de médecins, n'ont pas voulu laisser la place dans leur quota hein, au syndicat de médecins. C'est la FHF hein, qui a laissé la place dans le cadre de nos instances et en particulier du conseil d'administration, et ça se passe très bien. Hein. Donc on a des présidents de CME qui siègent au sein du conseil d'administration de la NFH et des instances. Donc au niveau de la gouvernance, il n'y a pas eu de difficultés particulières, et maintenant on a une gestion au niveau du DPC qui fonctionne très bien. C'est sur le volontariat, là aussi, des établissements. Alors, je crois que la grosse différence que l'on a, c'est qu'il y avait une cotisation au niveau des établissements pour la formation continue du personnel médical. 0,50 pour les CHU, 0,75 pour les non-CHU. Et que donc, là aussi, on a mis en place une progression, hein, une progressivité dans la mise en place en laissant aux établissements une partie pour qu'ils puissent continuer à gérer qui n'était pas géré au niveau du DPC, au niveau de la NFH, et on a essayé d'amener beaucoup de souplesse. Donc on a une montée en charge. Là, il y a un décret qu'on attend, là, qui est en cours qui devrait paraître incessamment sous peu, hein, mais qui va laisser le même processus en place. Alors un des gros éléments aussi qu'il y a eu pour l'attractivité des établissements vis-à-vis de la NFH, c'était la part des organismes de laboratoires pharmaceutiques, etc., qui participaient. Et donc, la NFH étant le seul organisme qui pouvait collecter ces financements, les établissements CHU et non-CHU, pour pouvoir récupérer cette manne, étaient obligés de passer par la NFH. Donc, c'était assez assez incitatif. Hein. Mais donc, pour résumer, nous, la gouvernance, on a trouvé des solutions. Hein, et maintenant, avec les organisations syndicales des salariés, ça se passe bien, il n'y a aucun problème. Et c'est vrai qu'on avait l'avantage sur le plan financier de la cotisation qui existait dans les établissements et qu'on a modulé. Pierre Thépeau, Centre hospitalier de Moulins-Isère. Alors moi d'abord, je voulais dire qu'effectivement, le changement vient des femmes. C'est les femmes qui ont fait bouger les lignes et tomber les murs qu'on est en train de voir. Je crois aussi beaucoup à la vraie vie. Comment ça se passe? C'est qu'au-delà des histoires paritaires, etc., dans la vraie vie, il faut se bagarrer sans arrêt pour faire comprendre, par exemple, que pour les cadeaux de Noël, eh ben oui, on fait aussi. Il faut qu'à un moment avoir l'idée qu'on n'oublie pas les médecins pour l'âme de Noël. Ça, c'est tout bête, mais ça ne s'est jamais fait, vous vous rendez compte, etc. Les repas des retraités, ben tiens, on a oublié qu'on avait des médecins qui étaient retraités. Voilà. Et la crèche, oui, vous avez raison. Enfin, nous, on a construit une crèche hospitalière. Ça a coûté un bras. Mais en même temps, les internes qui viennent en sont fans, avec en plus des horaires atypiques. Alors les médecins, c'est vraiment... voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, pour reprendre ce que disait monsieur tout à l'heure, il ne faut pas attendre sans arrêt qu'il y ait toujours des textes réglementaires qui règlent toutes les questions. Il faut vraiment une prise de conscience. Et voilà, ce qui fait la HAS, tout ça, on se rend compte qu'on est tous maintenant dans la même équipe. Et ça, je pense que c'est des petits signes qui peuvent vraiment... à amener le changement, et donc c'est très bien d'avoir pu en parler. Voilà. Oui, on me dit que le temps, on n'a même pas le temps d'une dernière question, non? Non, on va conclure alors. Je suis désolé. Alors, oui, il y a une dernière question quand même peut-être, allez. Monsieur Toulalan. Oui, Maurice Toulalan, administrateur du centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois, administrateur d'une EHPAD dans le Loiret. Et accessoirement administrateur au CGOS. Bon, moi je me suis toujours étonné, et ça ne surprendra pas certains qui sont dans la salle, que les médecins ne soient pas considérés comme les autres personnels. Ce sont en grande majorité les cadres
des établissements et je ne vois pas pourquoi ils seraient traités à part. Alors bon, c'est vrai, il y a un statut, il y a tout ce qu'on veut. Bon, mais la NFH nous a ouvert la voie. Donc je ne vois pas pourquoi le CGOS ne suivrait pas. Donc, alors, il faut, je vais être très court, il faut deux choses. Il faut, Madame Toupillet en a parlé, il faut un environnement juridique, ben, que les pouvoirs publics prennent leurs décisions. Ça, c'est le premier point. Et d'autre part, au niveau du CGOS, ben, il faut qu'on ait une décision et que depuis 4 ans, on en parle, on en reparle, etc. Je crois que le moment de la réflexion est terminé et il faut qu'on passe à l'action. Donc, à quand, au niveau du conseil d'administration du CGOS, on passe à l'action? Alors, qu'on ait un régime un peu différent, comme pour la NFH, pour le début, parce qu'on ne peut pas tout faire, tout calquer, etc. Mais au moins qu'on commence à entrouvrir les portes. Parce qu'autrement, on n'y arrivera jamais. On parlera de problèmes de pouvoir, de représentativité, de tout ce que vous voudrez. Ce ne sont que des faux problèmes et des faux prétextes. Merci de m'avoir passé la parole. Bien, c'est... Il m'a coupé. Il a coupé une partie de la conclusion. Donc, d'abord, remercier les intervenants de cette table ronde. Vous avez vu qu'il reste un certain nombre de questions. Le CGOS a été interpellé, je le rappelle, depuis 2012. Le CGOS a travaillé. Mais il y a deux questions préalables. Non seulement la question juridique, ça, il appartient au pouvoir public, et le CGOS, s'il ne soumet pas, effectivement, il a toujours dit qu'on travaillerait, qu'on accueillerait les médecins en notre sein sans problème. Et on travaille sur la représentativité. La deuxième question, ce qu'on a à peine effleuré, c'est celle des cotisations. Il n'appartient pas au CGOS de fixer les cotisations, c'est l'État qui va fixer les cotisations. Et à partir de là, effectivement, autour de la table, avec les représentants des médecins, des conférences, des représentants syndicaux, on verra quel type d'action sociale, pour qui, pourquoi et quelles conditions. Voilà, je vous remercie. C'est dommage, on a peu de temps, mais ça mérite qu'on en reparle. Merci. Oh.